Coucou tout le monde, les apparitions mondiales du monde des chercheurs, le cosmonaute des neiges, 5 février 71, Gaskila, Kinula, Falande, 15 heures, deux témoins, deux hommes, et des humanoïdes qui courent en apesanteur, impossible de les rattraper, bon, bref. En plus, les deux témoins ils ont été paralysés, nous sommes quand même en 1971, donc il y a 50 ans, hein. Donc c'est quand même du très costaud, hein. Et là, ça se passe dans la neige. Hein. Donc, ouais, et puis c'est vrai qu'au début, je leur disais des histoires, 1946, 45, 44, avant Roswell, on disait pas soucoupe volante. Ben non, c'est à partir de 47 quoi. On disait vaisseau de l'espace ou comme les revues de l'époque, science-fiction, ouais, bon, ça n'a rien à voir. Mais bon. Alors, le cosmonaute des neiges, je vous ferai au moins deux photos à la fin. 5 février 71 en Finlande, Kangaskinula. Le vendredi 5 février 1971, deux jeunes travailleurs forestiers, P. Alirantara et E. Snek, travaillaient dans les bois enneigés du village de Kangaskili. Vers 15 h, ils étaient sur le point de cesser le travail car c'était la fin de la semaine et le temps devenait nuageux et sombre. Soudain, Alirantara, qui venait de couper sa scie à moteur, remarqua un étrange engin au sommet d'un arbre qui descendait vers une petite clairière située à moins de 20 mètres. L'objet était métallique et de forme discoïdale. Bon, c'est souvent le coup classique, hein. Enfin, d'aspect métallique, hein. Mais bon, comme deux assiettes avec les deux faces collées d'environ 5 mètres d'envergure, il était posé au sol sur quatre pieds fins, assez longs et enfoncés dans la neige. Alirantara descendit à la hâte de son arbre et se rendit à la clairière. Il aperçut avec surprise un petit personnage glissé vers la neige à partir d'une ouverture située en dessous de l'appareil. Cette ouverture, oui, par en dessous, était à plus de 2 mètres du sol et l'entité semblait être descendue comme en apesanteur. Il ressemblait à un petit cosmonaute et ne mesurait pas plus de 90 cm de hauteur. Il y en a qui vont encore dire, oui, c'est des nains. Bon. Il était revêtu d'une combinaison bouffante d'une seule pièce, vêtu de couleur verdâtre et portait un casque avec une surface avant, plate et munie d'une visière opaque qui rendait son visage indiscernable. Puis ils sont plusieurs en plus. Il était muni de bottes hautes munies de deux bourreaux et soulignant la jonction avec leur combinaison, les mains n'étaient pas visibles mais l'ensemble semblait faire partie de l'ensemble. Comme des sortes de moufles, à travers trois hublots sur la partie supérieure de l'engin, trois autres entités surveillaient la scène. Oui, parce que c'est pas la même dimension, donc on dit entité, mais bon, moi je préfère dire humanoïde, de toute façon, on va le dire après. L'être remarqua le jeune homme et s'approcha de lui, glissant au-dessus de la neige épaisse, et alors Alirantara se dirigea aussi vers lui, gardant dans une main sa scie à moteur qui venait de rallumer. Mais l'humanoïde, voilà, battit promptement en retraite avant d'être rejoint d'un bond en l'air, se dirigea vers l'engin. Ah, puis ils sont petits. Hein. Alirantara parvint à le rejoindre et tenta de le saisir de sa main libre. Ben, vaut mieux pas. Il peut te choper des maladies et tout. D'ailleurs, il parvint à gripper une de ses bottes avec sa main nue, mais éprouva immédiatement une sensation de brûlure, comme s'il avait touché un fer porté au rouge vif. Le cosmonaute en profita pour regagner son appareil. Celui-ci décolla immédiatement. Émettant un petit son comme un bourdonnement continu et sans même rentrer les pieds d'atterrissage, à ce moment, Esko Snek rejoignit son compagnon. Les deux hommes assistèrent impuissants à ce départ. Ils constatèrent qu'ils éprouvèrent des difficultés à se déplacer comme s'ils étaient à moitié paralysés. Une bouffée d'air se fit sentir, mais aucune lumière ne fut aperçue. Au bout de 15 secondes en l'air, l'objet disparut soudainement. Les deux amis sonnaient et se sentaient tout au raide. Ils mirent une heure à se remettre de leur émotion et à quitter le bois. Une heure. Faut oublier que nous sommes en 1971. L'observation avait duré 3 minutes environ, ce qui est court, mais bon, ça fait beaucoup, hein, pour marquer la vie pratiquement. Comme preuve de cette incroyable aventure, ils constatèrent que la neige présentait des quatre traces profondes des pieds d'atterrissage ainsi que des petites empreintes de pas. Les pieds avaient des plaques rondes de 35 cm de diamètre. À leur extrémité, et se trouvaient enfoncés de 40 cm, je vais vous faire voir en deux images. Dans la neige, ses quatre pieds formaient un carré de 2 mètres de côté. Au milieu, la neige avait fondu de 10 cm. Les traces de pas de l'entité étaient petites, 15 cm. Oui, parce qu'il fait 90 cm de haut. Et espacées très régulièrement de 20 cm. Même celles faites
Lors de la poursuite, quand ils rentrèrent chez eux et relatèrent l'incident, les deux hommes essuyèrent des moqueries et par la suite se montrèrent réticents à parler de leur aventure. Ali Ranta garda plus de 2 mois des traces de brûlures sur la main. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça peut être dangereux. Ça fait une fois l'histoire que j'avais racontée sur YouTube, sur ma page, le bonhomme qui est mort d'un rayon de laser, on ne savait pas d'où ça venait, couleur vert, il a commencé à fondre du visage, ça, il en est mort. Hein, donc, des brûlures atroces. Oui, et tu peux te choper des tumeurs aussi. Hein. Ali Rantara garda plus de 2 mois des traces de brûlures sur la main qui avait attrapé la botte. Hein. Et l'enquêteur Tapani Kuninga, en Finlande, qui se rendit au mois d'avril sur le site, constata que sa main portait encore des marques. La parole des deux hommes n'a pas été mise en doute par les enquêteurs, mais les traces au sol n'étaient plus visibles puisqu'elles avaient entre-temps été recouvertes par 1 mètre de neige. Bon. Une autre observation se déroula 3 jours plus tard à 15 km de cet endroit. C'est-à-dire 3 jours plus tard à 15 km de cet endroit, une autre observation. Et c'est encore un travailleur forestier qui observa une boule lumineuse. Là, cette fois-ci, c'est une boule lumineuse au sommet des arbres. De nombreux habitants de Kinula virent des lumières étranges au cours de cet hiver 1971. Donc, c'est pas un hasard. Hein. Je vais faire tout de suite ce qu'ils ont vu. Hein. Voilà. Eh, faut pas oublier qu'il y a 3 autres humanoïdes dans le vaisseau. Hein. Bon, tout ce sont humanoïdes, entités, c'est pas la même dimension. Regardez, il y en a un pesanteur en plus. 90 cm. Hein. On voit même pas leur visage. Bon, je le ferai en 2 photos de toute façon. Ça, c'est très intéressant. Avec la marque et tout, la main qui a touché dessus. Enfin, ça, j'en ferai les photos, hein, si c'est un peu flou, c'est pas grave. Voilà. Alors, commentaire. Je suis parce que, avec la chaleur, comment il fait chaud ici, dans le nord, c'est horrible. Un beau cas qui fut accompagné d'un dessin précis réalisé par l'enquêteur sur les déclarations des témoins. Ces visions de petits bonhommes Michelin ou Bibendum, hein, c'est souvent le cas, hein, bon, des observations, furent fréquentes à partir des années 50 et se sont répliquées dans le monde entier. À Kangaskil, à Kinula, le petit cosmonaute possédait-il un système de propulsion intégré à la combinaison, un peu comme celui de nos cosmonautes utilisés dans l'espace? C'est ce qu'on retrouve dans les artefacts mayens, hein, tous les anciens cosmonautes. Bon, bref, c'est pas nouveau. Hein. Il y a 1500 ans, il y a 2000 ans. Bon, bref. Un tel appareillage n'a pas été constaté et l'entité a laissé des traces dans le sol, même s'il paraissait flotter. Ses comportements en apesanteur sont remportés dans près de la moitié des cas de RR3, c'est-à-dire rencontre approchée du troisième type. Oui, apesanteur. Il évoque une. Bah, c'est comme s'il marchait sur la Lune, quoi. Il évoque une dimension mimétique. Alors, mimétique, mimétisme et le polymorphisme des ovnis. Par rapport à nos propres cosmonautes et à l'exploration lunaire, c'est ce que je vais te dire. Oui, je me souviens même plus que c'est. Bon, tu vois, comme quoi. Mais il représente surtout la continuité du comportement physique hors norme des ovnis. Dans le même registre, le fait d'être brûlé ou électrisé dès qu'il y a un contact physique est trop répétitif pour être dû au hasard. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont tenté de toucher des soucoupes, tout ce que tu veux, et ils ont été brûlés. Des fois, la brûlure, elle s'est aggravée sur 2-3 jours. Des fois, sont même morts au bout d'une semaine ou deux. Comme le cas de Varglina en Brésil en 1996. Il y avait un policier qui a touché l'extraterrestre. Et il en est mort quelques jours après. Quoi. Enfin, c'était atroce. Hein. Enfin, c'est toutes des histoires comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop. La problématique, c'est ça. Après, ça dépend des races. Voilà. Et il est naturel de penser que cela correspond à une physique indifférente et surtout de la technologie qui en découle. Oui, en plus, nous sommes en 1971, ce qui est quand même très costaud, il y a 50 ans. Enfin, il faut signer la concordance des dates quant à l'observation proche de Kimiki, exactement le même jour, mais le soir. Deux femmes qui se trouvaient en voiture furent... Ouais, le même jour en plus. Écoutez bien, deux femmes qui se trouvaient en voiture furent suivies par un objet lumineux pendant un bon moment, puis aperçurent soudainement un petit cosmonaute. Encore une fois, on n'arrête pas. Pilote, là, des boules lumineuses, un autre travailleur forestier. Toujours l'hiver 71, hein. Petit cosmonaute de moins d'un mètre, donc peut-être encore les mêmes, 90 cm, et qui traversa la route en sautillant, comme un kangourou. Cette tête portait un casque et une combinaison brune tirant sur le vert. Donc, ça correspond encore. C'est donc une observation totalement apparentée à celle du matin. Donc, cette observation-là, elle a été faite déjà
deux fois, voire trois fois avec une autre histoire de boule lumineuse. Alors, vous voyez, c'est pas un hasard. Hein. Déjà là, là, il y a de quoi de se dire, oui, là, il y a quelque chose qui cloche. Là, c'est sûr et certain. Voilà, je coupe là. Merci. Et on se verra d'ici deux ou trois jours. J'adore ce livre. La suite est pas mal non plus, mais c'est plus la description des humanoïdes, c'est ça, des races, comment ils sont décrits, tout ça. Bon, c'est intéressant. Hein, Le Cosmonaute des Neiges, il ne faut pas oublier que c'est 5 février 1971, il y a 50 ans. Hein, un peu plus de 50 ans. Bon. Ouais, 50. Donc, oui, c'est costaud. Hein. Ouais, et je pense qu'il était. Voilà, et c'est pour ça que j'ai retenu ça. Il était vêtu d'une combinaison bouffante d'une seule pièce de couleur verdâtre. Et les deux femmes, elles disaient qu'il porte un casque et une combinaison brune tirant sur le vert. Donc ça correspond au même cosmonaute. Et l'autre, le travers forestier, il se déroula trois jours plus tard, à 15 km de cet endroit. Lui, il observa une boule lumineuse au sommet des arbres. Comme par hasard. Et la boule lumineuse, c'est ce qu'on retrouvait des deux témoins que je viens de dire l'histoire. Hein. Souvent, c'est des formes lumineuses, des boules lumineuses, après ça se transforme en soucoupe. C'est les pomimorphismes et le mimétisme des ovnis. Donc ils font ce qu'ils veulent. Hein, il n'y a même plus de temps pour eux, c'est comme ça. Voilà. C'est pas la même dimension, donc forcément, ils se transforment en ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, je coupe là, merci et à bientôt. D'ici 2-3 jours, je ferai deux photos pour vers la fin, parce que j'adore ça, et puis l'histoire comme ça. Et puis c'est souvent des petits êtres comme ça, ça me fait plus amuser, parce que par rapport à des trucs vraiment effrayants, type reptilien, ça, là, c'est plus la même tronche, hein, ou 2-3 mètres de haut, là, bon. Bah, même des petits comme ça, faut se méfier. Hein. Je coupe, merci et à bientôt. D'ici 2-3 jours, portez-vous bien. Et en ce moment, il refait chaud. Oui, ça commence à rechauffer quand même. Là où je fais ma vidéo, nous sommes le 19 juillet. Hein, je vous dis, tout y est décalé. Hein, donc, bah oui, j'ai tellement fait de vidéos d'avance. Bon, mais il commence à faire chaud. Hein, et franchement, là, ça commence à. A plus, merci. À bientôt. Mais il y a beaucoup d'orages aussi. Très intéressant ce livre. À posséder absolument. Plus.